Good morning, Aleiden, jusqu'à aujourd'hui le Nishmat, David Ben Fortuna, Mazal Fritna et Lucien Batraina. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions aujourd'hui Maseret Nazir, Père Gimel Mishnah. Mi She'amar Areini Nazir Megaleach Yom Shloshim Ve'echad. Vimgilach Le Yom Shloshim Yatsa. Areini Nazir Shloshim Yom, Imgilach Le Yom Shloshim Lo Yatsa. On va s'intéresser dans les prochaines Mishnayot, les quatre prochaines Mishnayot, à définir le jour exact à partir duquel le nazir pourra apporter ses korbanot. Soit, il y a plusieurs situations, il y a un nazir qui prend sur lui le vœu de devenir nazir sans préciser combien de temps. Dans ce cas-là, on avait appris Stam Nazirut Shloshim Yom, comme la Torah nous dit, Nazir Iye, Iye, la Gematria c'est Yud, et Yud, Hey, ça fait 10, 5, 10, 5, ça fait 30. Stam Nezirut Shloshim Yom, ça veut dire que celui qui prend Nezirut sans préciser, il devrait être nazir durant 30 jours. Maintenant, on peut préciser d'être nazir pendant 30 jours, on peut préciser d'être nazir pendant 50, 100 jours. Et la question est de savoir, à partir de quand peut-il apporter les korbanot précisément? Et avec, en plus de ça, dans le même sujet, qu'est-ce qui se passe s'il devient impur? Et là, je précise d'abord d'entrée, je préfère préciser d'abord quelques petites notions, comme ça, après quand on l'enverra dans le chien, ça va plus vite. Il y a tout d'abord un nazir qui, pendant sa période de nazirut, il n'a pas le droit de s'impurifier pour les morts, il n'a pas le droit de se couper les cheveux, pas le droit de boire du vin. S'il se coupe les cheveux ou s'il boit du vin, il ne contredit pas sa nazirut. C'est-à-dire, imaginez un nazir qui a eu un écart. On le verra plus dans les détails, il y aura des chapitres entiers sur ça, mais c'est juste pour comprendre la spécificité qu'il y a dans la touma, dans l'impureté. Un nazir qui prend sur lui de ne pas boire de vin et qu'il a pris sur lui 30 jours, 20e jour, il a bu du vin. Il recevra des coups parce qu'il a transgressé un interdit de la Torah, mais il ne contredit pas sa nazirut, il devra continuer jusqu'à 30 jours après apporter ses korbanot. Si toutefois il s'est coupé les cheveux, alors il y a un autre problème technique. Il n'a pas contredit sa nazirut, mais il y a un problème technique, c'est que quand on va au Tamidash, on veut des cheveux de 30 jours pour pouvoir les couper. Donc il faudra faire un petit peu de prolongation comme ce qu'on a évoqué dans les Mishnayot précédentes. Mais s'il a pris un vœu de 100 jours, par exemple, un vœu de nazirut durant 100 jours, et qu'il s'est coupé les cheveux au bout du 40e jour, ben, rien de grave. Il a transgressé un interdit. Mais. En tout cas, il continuera à compter jusqu'à 100. Par contre, s'il devient impur pour les morts pendant sa nésiroute, il contredit sa nésiroute. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il devra... Il a commencé à compter, il avait pris sur lui un vœu de 30 jours ou un vœu de 100 jours. Et en plein milieu, au bout du 28e jour, comme ça, on parle des deux cas, il est devenu impur. Il devra d'abord... Impur pour les morts, en contact avec un mort direct. Il devra faire d'abord le rituel pour la purification des morts. Ça prend 7 jours. L'Aza avec la Paradouma. Et une fois qu'il finit, il apporte des korbanot spéciaux au Beit HaMikdash, puis il se coupe les cheveux de nouveau, il se les rase, et il redémarre son décompte de 30 jours ou de 100 jours. À la différence par contre du cas où il a pris un vœu de 30 jours, il a déjà passé 32 jours, il n'est toujours pas venu au Beit HaMikdash à porter ses korbanot, et au bout du 32e jour, il devient impur. Il garde sa belle tignasse, et il attendra d'arriver au Beit HaMikdash pour faire ses korbanot. Mais maintenant, au 32e jour, il a eu un petit peu de retard. Et du coup, pendant qu'il est en route pour le Beit HaMikdash, il devient impur pour un mort. Alors là, il ne contredit pas sa nésiroute. Il devra juste attendre de se purifier parce que ça prend 7 jours pour se purifier. Et puis après, une fois qu'il est devenu pur, il ira au Beit HaMikdash, il apportera ses korbanot nésiroute parce qu'il n'a pas contredit sa nésiroute durant les 30 jours. C'est le point qui m'intéresse. Donc retenez pour le moment, après toutes mes introductions, il y a deux points qui m'intéressent. C'est l'année. D'abord, on s'intéresse de savoir quand, à partir de quand précisément, il peut conclure sa nésiroute pour apporter les korbanot. C'est un premier aspect de la problématique. Le deuxième aspect de la problématique, c'est qu'est-ce qui se passera s'il devient impur. Dans notre Mishnah, on ne va pas parler du quand il va devenir impur, mais à partir de la Mishnah Gimel Dalet, on mettra le focus sur ça aussi. Pour le moment, on s'intéresse de savoir à partir de quand apporter précisément ces korbanot. Et la Mishnah va parler de deux cas de figure. Un qui dit « je prends sur ma dette nazir sans préciser une durée », donc ça dure 30 jours, et un qui prend sur lui d'être nazir pendant 30 jours, donc il précise les 30 jours. Figurez-vous qu'il y a une différence entre les deux fondamentales. Et je traduis la Mishnah et après on explique. « Mi she'amar areini nazir », celui qui a pris sur lui d'être nazir, sans préciser combien de temps. « Megalach yom shloshim ve'echad », il pourra aller au Beit HaMikdash pour se raser la tête au 31e jour. « Yom shloshim ve'echad » au 31e jour. D'accord? Mais cependant, Vim Gilach le Yom Shoshim Yatsa. Mais si il s'est rasé la tête le 30e jour, il s'est quand même acquitté.
À la différence de cas où il a dit « Areni nazir shloshim yom », je prends sur moi d'être nazir durant 30 jours, donc il a précisé cette fois-ci les 30 jours, cette fois-ci « imgilach le yom shloshim lo yatsa », si c'est rasé la tête, il est parti au Betamigdash, il a porté ses commandements le 30e jour, après le Kohen, il va commencer à parler avec lui, il va dire « Non, moi j'ai pris sur moi, j'avais explicité 30 jours », il a dit « Oh là là, catastrophe, t'as explicité 30 jours, tout ce que t'as fait tes commandements que t'as fait aujourd'hui, tu t'es pas acquitté, il faudra que tu reviennes. » Or, t'as pas de cheveux pour le moment pour les raser, il faudra peut-être attendre, et ainsi de suite. Donc, il y a une différence fondamentale dans notre Mishnah entre celui qui a pris sur lui 30 jours, et celui qui a pris sur lui qui a explicité 30 jours, et celui qui n'a pas explicité 30 jours. Celui qui n'a pas explicité 30 jours, il doit, en théorie, préserver 30 jours. Et donc, quand je te dis de préserver 30 jours, ça signifie que si maintenant, aujourd'hui, on est Yom Rishon, donc, va venir Shabbat prochain, ça va être Yom Sheni, Yom Shvi. Et chaque semaine, chaque Shabbat qui va se finir, tu vas être 7, 14, 21, 28, dimanche 29, lundi 30 et mardi. Donc aujourd'hui, donc le 31e sera le mardi. La question est de savoir, quelqu'un qui a pris sur lui maintenant, on est maintenant Yom Rishon, il a pris sur lui d'apporter une Nezirut. Quel jour de semaine ça tombera, qui devra porter ses korbanot, ça tombera un mardi. Alors, a priori, mardi matin, a posteriori, il s'acquitte quand même s'il apporte les korbanot le lundi. Comment c'est possible? Si il est Yom Rishon du dimanche au lundi, il n'y a que 29 jours, ça veut dire qu'il est dans le 30e jour. Oui, parce qu'aujourd'hui, on compte le premier jour, donc ça fait chaque semaine 7 jours. Après 7, 7, 7, 7. Le dimanche, ça va être le 29, le lundi, va être le 30e jour. Alors, tu as dit, en théorie, alors, quand tu dois préserver 30 jours de Nezirut, ça suffit 30 jours pleins, jusqu'à la Shkia. 30 jours pleins, tu dois préserver. Ça, c'est quand tu précises 30 jours. Mais quand tu ne précises pas 30 jours, alors, c'est aussi 30 jours, mais on a une règle dans la Torah, et là, c'est le grand secret qu'on va avoir maintenant, qu'on va l'utiliser sous plusieurs formes. Miktsat hayom kekulo. Une partie du jour est considérée comme une journée entière. C'est un principe qu'on retrouve sous plusieurs formes dans la Torah, que des fois la Torah elle me dit de compter 7 jours, de compter 30 jours, de compter... Et puis, dès que tu as commencé à mordre le nouveau jour, tu as commencé à entrer dans le nouveau jour, on a une règle qui me dit « Miksat ayom kekulo », une partie du jour considère que tu as fait toute la journée et c'est bon, tu peux maintenant apporter ton rituel de Nezirut. C'est ce qui se passe, tu as pris sur toi, tu as dit « Je serai nazir », donc... La Torah nous dit, ah, Nazir, ça dure 30 jours. 30 jours, c'est vrai. Dès que tu débutes la 30e journée, c'est-à-dire le lundi matin, une fois que tu as fini de 4 semaines pleines, et tu rentres dans la 5e, alors le lundi matin, ben, tu auras déjà commencé à mordre la 30e journée. Si à ce moment-là, tu apportes ton rituel, tes korbanot, eh bien, tu mettras un terme à ta Nezirut comme ça. Mais c'est que a posteriori, a priori, on veut que tu boucles les 30 jours. En réalité, je vois que la Gemara elle précise, je ne l'ai pas vu ici dans les Mefarshim, mais si je ne me trompe pas, la Gemara elle dit que c'est une xéra à cause du cas où il a précisé les 30 jours. Parce qu'en fait, quand tu précises 30 jours, là, alors là, c'est toi qui as précisé les 30 jours, c'est toi qui as fixé les règles. Il faut savoir, dans les règles de la Torah, lorsque la Torah elle me dit une quantité de jours, eh bien, je peux faire mixatayom kekulo. Ceci ferait quand même dans les années aussi, on trouve ça dans plein d'endroits, quand on doit compter les années de la Orla. Pour les plantations, il faut 3 ans, mais en réalité, c'est pas 3 ans plein, parce que miktsat, miktsat ayom kekulo, miktsat shana kekula, un petit peu avoir mordu dans un truc. Il y en a qui vont dire qu'il faut 30 jours dans l'année, ça concerne comme un an dehors là. Il y a plusieurs règles, mais je suis juste vous introduire le principe que dès que tu as commencé à mordre dans la journée, ça marche. Mais ça, c'est quand ça fonctionne, quand tu es plié aux règles de la Torah. Donc la Torah, elle a dit 30 jours, un petit peu de la journée du 30e, c'est considéré comme une journée entière. Mais quand c'est toi qui parles, et tu dis 3 jours, 4 jours, 5 jours, c'est 5 jours pleins. C'est 30 jours pleins. Donc là, nécessairement, tu dois apporter tes corbanotes que le 31e jour. Vous avez compris? Je refais tout ça dans les mots de la Gemara maintenant, dans la Mishnah. Mishé Amar Areni Nazir, celui qui a pris sur lui de devenir Nazir. Donc, Megalach Yom Shloshim Ve'echad, il devra a priori faire se raser, quand on dit Megalach, c'est-à-dire se raser au Beth Amikdash pour faire son rituel de corbanotes, au 31e jour, une fois qu'il a bouclé 30 jours pleins, il mord, et il rentre dans le 31e jour. Et il apporte ses korbanot. Mais, vim gilach le yom shloshim, si toutefois il s'est rasé, il a porté ses korbanot le 30e jour, il s'est quand même acquitté, parce que le 30e jour, donc puisqu'il a pris sur lui yom rishon, donc ça va être un lundi matin, et c'est le 30e jour finalement.
Ça veut dire 29 jours pleins, il a déjà mordu dans la 30e, dans la 30e. A posteriori, ça marche. À la différence du cas où à René Nazir, je prends sur moi d'être Nazir durant 30 jours. Là, c'est toi qui as fixé 30 jours, ça veut dire 30 jours pleins nécessairement. Veim Gilach, le Yom Shoshim, lo Yatsa, s'il s'est rasé au 30e jour, il ne s'acquitte pas de sa Nézirut, il devra nécessairement réapporter une série de corbanotes et attendre que le jour repousse aussi. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Aslach HaKol Tov, Salam.